Consacrer deux foyers. We'll consacrer two households. La consécration des foyers dont il est question, il faut qu'on vous l'explique. Qu'on vous explique comment ça se fait. We have to explain it to you. Cela concerne des couples. It concerns couples. Il y a des couples qui viennent de se conformer au mariage selon la sainte doctrine. Who conform themselves to the marriage of sound doctrine, concerning the sound doctrine. Ceux-là, ils viennent, ils demandent qu'ils soient consacrés au Seigneur. Ce n'est pas un mariage nouveau, mais c'est une consécration. Parce que c'est des gens qui vivaient certainement dans le copulage ou la fornication que le Seigneur appelle. Puisque tant qu'il n'y a pas mari, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas marié à ces fornications. Donc quand on met tout en ordre, when we put jusqu'au mariage civil, and we do ils viennent, on les consacre au Seigneur. We consacrate them, maintenant, il y a l'autre aspect. Ceux-là, ils sont déjà constitués en foyer. And ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait la dot, and they ils ont fait le mariage civil. And they do civil, mais ayant rencontré la sainte doctrine, as they encounter the sound doctrine, ils veulent que leur foyer soit consacré. They want their household to be consecrated. Dans l'un comme dans l'autre cas, for whatever il revient à l'Église cases, de rappeler à chacun to remind to each, des couples each of couple, leur responsabilité. Their responsibility. Responsabilité vis-à-vis de Dieu. Concerning God. Responsabilité responsibility vis-à-vis de leur conjoint. Concerning their wife et leur responsabilité husband, envers eux-mêmes. Concerning ça fait donc trois niveaux de responsabilité. Three level of responsibilities. En ce qui concerne la responsabilité envers Dieu, for what concerns the responsibility before God, nous savons que le mariage est une institution. Marriage is an institution de Dieu. Of God. Quand les hommes ont commencé à se multiplier, and when men le Seigneur lui-même a donné une orientation. Lord himself gave an instruction. Deutéronome 7. Into the book of Deuteronomy, versets 3 et 4. Verse 3 to 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Mm-hmm. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Mm-hmm. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ce qui veut dire, nous sommes un peuple mis à part. We are a particular people. Et Dieu dit, puisque tu es mon peuple, and the Lord says, because you are tu ne my dois people, pas contracter mariage ailleurs. You should not marry foreign people. Tu ne dois pas être de l'enfant de la groupe Jésus revient ou bien de you la l'église. To the group Jésus revient aller chercher or to the païen church, ou bien païenne. And really go and look for Dieu dit pagan. Si jamais ça se passe, if it happens, ma colère va frapper. My hunger will strike or beat you. On ne sait pas comment ils se sont trouvés là-bas. We don't know how they find themselves. Mais ils sont venus à la sainte doctrine. They come to the sound ils ont suivi le processus. And they follow mais process. Ce qui revient à l'Église de le faire, les concernant, what concerns the church, on doit le faire. We have to do it. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Il est dit dans Hébreux 13, 4, que le mariage doit être honoré de tous. The marriage have to be honored by un all. Mariage qui est honoré, honor, c'est celui marriage, qui est fait selon la sainte doctrine. The one who is done according to the sound doctrine. Amen. Amen. Si vous allez chercher un homme dehors look ou une femme dehors, house, vous la ramenez ici pour dire on va faire mariage, ça ce n'est pas selon Dieu. According to God. La responsabilité the responsibility envers le conjoint. Qu'est-ce que Dieu dit concernant la femme? What God said concerning the wife. La femme, Dieu dit, vous allez lire Ephésiens 5, 22.
Ephesus. Colossiens 3, 18. Non, c'est pour mémoire, c'est pour mémoire. Vous notez, vous allez dire ça à la maison. 1 Pierre 1, 3 et 4. Et 3, verset 1. Ça, c'est pour la femme. Femme, ta responsabilité envers ton mari, c'est ça. In the regard of your husband, Marie, you, husband, ta responsabilité, toujours dans Ephésiens 5, the book of verset 25. Colossiens 3, 19. Colossians 3, 19. Et 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 4 to 8. Quand vous lisez bien, when you read those passages, ce que Dieu demande, je vais faire un résumé. Hein. What the Lord asks, femme, woman, soit soumise. Homme, man, aime, love, responsabilité envers soi-même, responsabilité envers leur propre responsabilité. Your own responsibilities. Si vous ne savez pas faire, if you don't know, le mariage, the marriage, peut t'envoyer en enfer. Can send you into the hellfire. Ton mariage là. Tu cours derrière le mariage là. You ça peut te conduire en enfer. The marriage, it could send you into hellfire. Mais si tu vas, but if, tenant compte de ce que Dieu dit pour toi, take into account what ce the même Lord mariage talk va t'aider à aller au ciel. This marriage could help you go into the heaven. Le Seigneur a dit quelque chose. The Lord said something. Dans Jean 15. The book of John, John 15. Shortly. Il dit, he said, je suis le vrai cep. I'm the good cep. Vous êtes des branches, n'est-ce pas? And you are la branches. Branche qui porte de fruits, on le fait quoi? That bear fruits. On le coupe, on l'arrange. We arrange it. On l'arrange. We arrange it. Oh, quand vous coupez la branche, when la branche, ça, the tree. C'est ça le mariage. This is le mariage, the marriage, la femme est là pour enlever ce qui ne va the pas pour que l'homme puisse porter beaucoup de fruits. Good, so that men parce que Dieu exprès a mis la femme là pour aider l'homme à monter. To help men to climb. L'homme aussi est là pour aider la femme and enlever ce qui ne va pas to help pour l'aider à monter. Take off what is not, what is wrong and to help her climb. Mais quand elle enlève, elle essaie de t'enlever les choses que tu ne vas pas crier. Thing out and start crying. Tu ne commences pas à l'engueuler. You start struggling with her. Tu ne lui laisses pas la main de t'arranger pour le ciel. Help parce que depuis que l'homme a chuté du jardin, the man fell down nous to the avons garden. Porté en nous les traits we de l'ennemi. Thing of enemies. Les traits de l'ennemi, c'est là. Thing of enemies are there. Et ton conjoint va t'aider à enlever au jour le jour un peu. Your neighbor into the marriage. Donc, il ne te fait pas du mal, il te fait du bien. Remove it, small by small. C'est ça que beaucoup n'aiment pas. That's what many dislike. Problem to la seule mission que le Seigneur nous a donnée, évangéliser, ramener les gens, les brebis. Bring back sheep. Vous ne pouvez pas être en train de faire ça et encore you parler des problèmes de foyer. On ne peut pas faire ça. And talk about problem of household. C'est pourquoi, dans des cas comme ça, that's one of those, in these cases, nous avons we have un parrain. Il est à la fois parrain et marraine. A leader. Somebody amen. To lead you. Donc, c'est ça la Bible. That's the Bible. Les foyers concernés doivent se présenter. The household that are concerned should present themselves. Il y a donc Jésus, le foyer de. There is a household. Pasteur Samuel et le foyer du frère Esdras. Of a brother Ezra. L'étape qui suit. The next step. C'est le bien-aimé du Seigneur, l'évangile de Jean Garcia qui va conduire ça. Parce que chaque foyer, house, l'évangile va vous remettre votre, ce qu'on appelle la Bible du foyer. Give you the Bible cette of the Bible house. Est différente Bible de la Bible que vous avez. You had. C'est votre marin et marraine. C'est ça qui va régler vos problèmes. Jésus n'est pas là pour ça. On a autre chose. Il faut aller à Kamchatka, trouver les gens et les ramener au Seigneur. Donc, nous allons inviter l'évangéliste Saint-Gratien pour la remise et maintenant pour la déclaration de serment.
devant le peuple de Dieu, devant l'ange, l'armée céleste, devant le Seigneur lui-même qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Be blessed. Alléluia. Praise God. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to the Lord Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Today is a great day. C'est très heureux que des gens qui vivent, it is very good that those who avant are de live, connaître la vérité, before knowing the truth, avant de connaître la sainte doctrine, before knowing the sound doctrine, déjà ensemble, avant de connaître la sainte doctrine, together, before knowing the sound puissent doctrine, travailler à mettre de l'ordre should work to put order dans leur vie de couple. In their couple's life. Mettre de l'ordre, c'est que put order si means vous vivez avant de venir à Jésus revient, you were living before coming et vous n'avez to pas Jesus encore revient, fait la dot, and you didn't give a dowry, vous devez le faire. You should do it. Ça, c'est obligatoire. That is an obligation. Et à côté de la dot, dowry, vous devez faire aussi le mariage civil. Civil c'est marriage. Ça qui atteste that testify devant l'État, devant states, la loi, before the law, que vous êtes unis. That you are united. Et après cela maintenant, and after that, vous devez passer maintenant you will pass through pour la consécration. Consecration. La consécration, consecration, c'est que votre union, means that your union est consacrée à Dieu. Is consecrated to God. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de séparation. This means that no separation. C'est que again, vous êtes collé. You are linked. C'est super glue du ciel. You are linked. On met pour vous souder, pour vous coller. To si link quelqu'un you veut if défoncer, want to pour décoller ça, want to dislink, c'est à son risque et péril. He is, quel que soit ce qu'il fera pour entrer au ciel, he'll do to enter c'est impossible. Heaven, it is tous les mariages all qui sont consacrés à Jésus revient that is in Jésus sont revient, consacrés au ciel. In et les noms sont inscrits dans le livre de souvenirs au ciel. Celui qui va tenter de quitter l'autre, quel que soit l'argument, quel que soit le motif, c'est grave. It is not good. It is bad. Alléluia. Praise God. Chers bien-aimés, beloved, je ne suis qu'un instrument que le I Seigneur va utiliser. An instrument God on considère que c'est le ciel so consider that it is the heaven qui vous unit. Who is unite you. C'est le ciel qui vous met ensemble. The heaven who put you together. Donc vous allez vous mettre à genoux. So you will bow your knee. Face à face. Face to face. Alléluia. Votre témoin. So this is your testifier. C'est la parole. The word dans la sainte doctrine, il n'y a pas de bague. In the sound of, there's no ring. Voilà la bague. This is the ring. Voilà le témoin. This is the witness. Acclamé pour Jésus. Clap Jesus. Vous tenez you take ensemble. It together. Voilà. Ça, c'est le plus grand symbole d'union. This is a great symbol of union. Mon bien-aimé Samuel, beloved Samuel, voilà Dorcas, notre sœur Dorcas. Our sister Dorcas. Je suis sûr que le premier jour que tu l'as vue, I am sure the first day you saw tu as her, eu à prononcer des paroles you pronounce words qui ont touché son cœur. Et elle a accepté. And she accepted. Et tu as promis, and you peut-être promised, le jour-là, elle t'a dit, that day she told non, you, vous les hommes, c'est, tout, c'est men, ce que vous dites. That is what you used to mais say. Sont là, même ils ont blâmé, même ils ont tafou. Et tu as dit, non, 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 moi, je ne ferai pas ça. No, I will not do that. Moi, je ne ferai pas ça. Me, I will not do that. Ah, moi, je suis fidèle. Hein? Me, I will be faithful. Donc, tu vas réitérer so you will tell it ces again, paroles qui étaient en réalité. That were in reality, c'est des serments qu'on fait à la femme. To vous qui dites n'importe woman, quoi aux femmes pour les draguer, woman, sachez to, que tout est écrit. To us, know that je vous le dis en written. Vérité, en vérité. I'm telling you in truth. Alléluia. Praise God.
Toutes les fois que vous draguez une fille, anytime you are talking les paroles to a que woman, vous sortez, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a beaucoup qui vous poursuivent. Many persist et ça affecte beaucoup. And they impact in many ways. C'est très important. That is very donc important. Tu vas réitérer ces paroles. So you will tell that word la again. Promesse que tu lui as faite, de la garder avec amour, with love, dans la fidélité, in faithful, dans l'honnêteté, in honesty, de prendre soin d'elle. To take care of her. Tu vas réitérer ces paroles, you répéter tell ces those paroles. Words again. Devant le Seigneur, before the Lord, qui est le témoin, who is the witness, devant les hommes, before the men, devant toutes les entités spirituelles all spirit, qui sont aussi témoins, that are witness, vous répétez ces paroles we repeat those et words, le ciel va and heaven écrire dans le livre de souvenirs. In the book of remembering. Vous avez la parole. You have to speak now. Chekolamine. Waouh! Je vais aller chercher mon dictionnaire. I will go to find my dictionary. Dictionnaire romantique. My romantic dictionary. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Je te promets. I promise you. Comme je te l'avais promise. As I did. Et maintenant encore dans la saine doctrine. And now again in sound doctrine. De prendre soin de toi. To take care of you. De te chérir, to love you, de te supporter, to support you, dans tes moments de faiblesse, in your time of weakness, de t'aider à grandir to encore help spirituellement, you to grow spiritually again, et à mieux te préparer pour l'enlèvement. To prepare yourself to de la même façon que Jésus a pris soin de l'église, as Jesus took care of the church, je ne t'ai jamais caché que c'est comme ça que je vais te traiter. I don't have you that like that. L'amour I will que you. Jésus a donné à l'église, the Lord Jesus gave to the church, je t'ai promis que c'est ça que je vais te donner. I promise the same thing to give maintenant you. Qu'on nous consacre dans la now saine they doctrine, are consecrating us in the sound doctrine, je te le répète encore, I repeat again to you, de la même façon que Jésus a traité l'église, the same way Jesus treat the church, aidé par le Saint-Esprit, helped by the Holy Spirit, je te traite I will treat you like that. Je te supporterai ainsi. I will support you like that. Je porterai des peines pour toi, I will mais des moments de joie aussi, and also par le joy. Soutien du Saint-Esprit, with the substance au nom of the de Jésus-Christ. Acclamez pour le roi. Clap the king. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. C'est des paroles très fortes. There are great words. Très très fortes. Strong words. Ma sœur Dorcas. Sister Dorcas. Voilà ce qu'il a dit. This is what he said. Peut-être qu'il a rappelé quelques mots. Maybe remember qu'il a eu à dire le jour là qui t'a plu. That day that et tu as dit oui. And you said yes. Devant le peuple de Dieu. Before the people of devant God, le trône de Dieu. Before the throne of God, devant toutes les entités spirituelles. Before all the entities qui sont aussi témoins. Who are witness de ce grand événement d'union. This great event of union, tu vas réponds you will answer devant tout le monde before everybody, avec des paroles qui te viennent du cœur words from your heart, tout en rappelant by remembering la soumission que tu lui dois, the la fidélité que tu lui dois, l'intégrité, integrity, la vérité, truth, l'honnêteté. Honesty. Tu as la parole. Alléluia. Glory to Jesus. Et comme la Bible le dit, as Bible says, je te serai soumis. I will be soumis. Tu n'as pas appelé son nom. Mais tu parles à qui? You don't call his name. Who are you speaking to? Honey. Hein? On n'a pas bien entendu pour apprécier. We don't understand. We don't hear. Honey. 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 Ça c'est en anglais. That ça veut dire in English. Miel. Hein? Miel. Miel! Oh! Wow! Ok, allons-y. Je te serai soumise. I will be submit to you. Je te serai fidèle. I will be faithful to you. Je serai une compagne pour toi. A companion to you. Pour toi. A help to you. Pour que nous puissions grandir for en Jésus. For we should grow to in Jesus. Et que aujourd'hui, today, qu'on nous consacre comme couple dans la sainte doctrine, as couple in the sound que ce doctrine, jour let that day soit un jour be a day où nous
nous allons nous retrouver au ciel. On va se rappeler de ce jour. Remember that day. Je bénis le nom du Seigneur. I bless the name of the Lord for that day. Because ce qu'il m'a accordé, je ne peux pas le dire. He gave me, I je cannot suis tell. Infiniment reconnaissant. I will be recognized. Que son nom soit béni. Let his name be. Alléluia, acclamez pour Jésus. Clap Jesus. Alléluia. Voilà, nous allons demander à l'homme de Dieu de sceller ces paroles par le nom de Jésus et de consacrer le couple pour que les deux deviennent un dans le Seigneur. Avec votre permission, tout à l'heure, on dit de parler à ton chéri. Tu parles encore, on va se retrouver au ciel. Tout ça, vous ménagez tout. Hein? C'est l'émotion. Là, on ne parle pas du ciel pour le moment, on parle de sur terre ici. Ouais. Jésus a été clair. Là-bas, il n'y a pas un mari et femme. Donc, on parle de la terre. Il faut reprendre. Sur la terre, là, tu vas produire quoi? Vous allez vivre comment? C'est de ça qu'on parle. Parle encore du ciel dans ça là. Ça n'a rien à voir ici pour le moment. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Let's Amen. The name of God. Une deuxième chose. Second thing. Dans Jean chapitre 3, in John Jésus se retrouve aux noces de Cana. Jesus meet at the et il fait son premier miracle. Marriage of Cana. La Bible a dit que ils avaient du vin qu'ils ont servi, le vin est fini. Wine. Et sa mère, Marie, and her mother, alors Marie, l'a sollicité. Called her. Et il va demander quoi qu'on envoie. Elle va dire qu'on envoie des vases. Six vases. Pots, et ils vont mettre quoi dans le vase? And they put what? Ils vont mettre quoi? Lola est quittée où? They put water. Chez qui? Lola est quittée chez qui? Where is the water come from? C'est Jésus qui a envoyé? Ou bien c'est sur les mariés? Is Jesus who sent, et c'est leur eau qu'ils ont fait venir, parce que c'est l'eau qui est quittée chez eux, que c'est cette eau qui a été transformée en vin. Vous avez apporté quoi au Seigneur? What did you bring? Pour que le Seigneur transforme ça en vin. For the Lord transform it into pour votre foyer wine. Ce matin. Parce que ça ne vous a pas surpris. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, it's not a surprise because le Seigneur transforme today, cela en the vin. Lord should transform et que quand vous allez repartir, là, and when you will go back, vous témoignez et que les gens témoignent que dès le jour où alors notre mariage a été consacré, voici les résultats, marriage, voici la bénédiction, result, voici l'enfantement, blessing, voici tout ce qui a découlé. This is the bearing, this is what come from. Ne pas penser à ça. On vous a donné une Bible. Ok, c'est une parenthèse. Pensez à ça. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus. Dieu Tout-Puissant. Almighty God. Ce matin, this morning, par la puissance du Saint-Esprit, by the power of Holy Spirit, ton serviteur et moi, your servant and me, unis à tous tes serviteurs et à ton peuple, unite with all your servant and your people, nous te consacrons we consecrate to you ce mariage. This marriage. Nous prions que Seigneur, we pray that, Lord, à compter de ce jour, from now, les cieux heavens, reçoivent receive ce couple, this couple comme faisant partie as des couples bénis de l'Éternel. Part of blessed couple of the Lord. Je prie I pray, par la puissance et l'autorité du by Saint-Esprit the power and authority of Holy Spirit, que l'Esprit de ton Fils as the spirit of your son, sois uni à l'esprit de ta fille. Unite the one of your et que les deux deviennent un seul esprit. And become one spirit. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus name. Je prie I pray que l'âme de ton fils that the soul of your soit unie à l'âme de ta fille. Be linked to the one to et your que daughter. Les deux deviennent une seule and âme. The two become one soul. Je prie I pray que la chair de ton fils that the flesh of your soit unie à la chair de ta fille. Be united to the one et que of les deux daughter. Deviennent une seule chair. Conformément à ta parole.
as your word said, à compter de ce jour, from now, que le sceau du Saint-Esprit, let the seal of à the Holy travers Spirit, cette huile, through this oil, Seigneur mon Dieu, fasse Lord de un, my God, make them one, un en Jésus-Christ, one in Jesus, un dans la masse chrétienne, one in the world key, un pour vivre sur cette terre, one to live un pour témoigner earth, de Jésus, one to certify un pour of vivre Jesus, dans la joie, one to live un in pour joy, porter la gloire de Jésus-Christ. To keep the glory je of prie Jesus, I pray, que tout esprit, that any spirit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Lord, qui ne confesse pas ton that nom, confess not your name, tout esprit, any spirit, qui ne confesse pas ton that nom, confess not your qui name, pendant longtemps, till many Seigneur, time, t'es attaché à leur esprit, well, linked to their spirit, les quitte au nom de Jésus-Christ, from them in à Jesus compter d'aujourd'hui, from now, tout esprit de mari de any nuit spirit of et de femme de nuit, and nice Seigneur, wife, les quitte au nom de Jésus-Christ, in Jesus henceforth, tes enfants sont mariés. Your children ils sont are mariés. They are married. Ils sont mariés. They are married. Ils sont mariés. They are married. Et le Saint-Esprit est le sceau de ce mariage. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toutes les promesses de bénédiction liées au mariage, dans le livre de Genèse, in Genesis, dit que l'homme quittera son père said, the man will leave his et s'attachera à sa femme and will link et les deux deviendront une seule chair. Que ces promesses s'accomplissent. Que ces promesses s'accomplissent. Tu as promis, Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu naîtront de deux papas, des enfants. Tu leur accordes une descendance nombreuse au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui faisait blocage à l'enfantement Sois chassé au nom de Jésus. Que toute incompatibilité spirituelle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Désormais, papa, tu leur accordes toute ta puissance, your power, ton pouvoir. All your power. Il règne sur terre. Il règne sur terre. Il règne sur terre. Il règne sur terre. Comme des représentants légaux du Seigneur. Un couple légal du Seigneur. Ils marchent la main dans la main pour triompher, Seigneur mon Dieu. Cieux, ouvrez vos portes et répandez sur eux la bénédiction en abondance, la grâce en abondance, la gloire en abondance, la gloire en abondance, la gloire en abondance, la gloire en abondance. Désormais, tes enfants sont séparés des esprits de leur famille. Les esprits familiers sont brisés. Les esprits familiers sont chassés. Les esprits familiaux sont chassés. Les esprits familiers et familiaux sont chassés. Désormais, papa, ils sont un. Plus rien ne les rattache spirituellement à leur famille. Désormais, ton fils Samuel et son épouse sont un. Merci de le bénir. Merci de le bénir. Merci de le bénir. Merci de le bénir. Merci de le bénir et de transformer toute amertume en joie, en bonheur, au nom de Jésus-Christ. Merci, papa, pour la vision de gloire que tu m'accordes. Car je vois, Seigneur mon Dieu, un gros pain, un revêtement tout blanc venant du ciel. Seigneur, tu es en train de les couvrir. Je vois ce revêtement blanc, glorieux. Seigneur, merci parce que tu approuves ce mariage, Seigneur. C'est le signe que tu approuves. C'est le signe que tu approuves. Et tu les couvres. Et je vois, Seigneur mon Dieu, pour la gloire comme une fumée. Seigneur, qui descend du ciel. Éternel, qui les envahit. Sois béni, Seigneur. Blessed, et que toute la gloire revienne à toi. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon bien-aimé Ezra et ma soeur Salomé, voilà votre témoin. This is your witness. La parole de Dieu. The word of God. C'est avec la parole de Dieu que toute chose a été établie dans l'univers. Was established in the universe. Donc le mariage, même le premier mariage, the first marriage a été établi par la parole. Established by the word. Aujourd'hui, cette today, parole this word est votre témoin is your witness. Devant les hommes, before men, devant Dieu, before God, devant toutes les entités spirituelles. Before all spiritual entity. Alors cette parole so this word
Vous la chérissez. You love it. Dans toutes les situations. In all the situations. Dans toutes les circonstances. In all circumstances. Vous ferez recours. You will return. À cette parole. To that word. Mon bien-aimé Ezra. My beloved Ezra. Le jour tu as croisé. The day you met. La sœur Salomé pour Sister la première Salomé fois. For the first time. Tu as tout fait. You make. Pour la convaincre all to convince her de t'accepter, to accept you, que tu ne ferais jamais comme les autres, others, que tu seras sérieux. That will be serious. Plusieurs fois, many times, elle a dit non. She said, laisse-moi no, tranquille. Let me alone. Tu as insisté. And you insisted. Tu l'as convaincue. You convinced tu lui as fait her des promesses. You made her promises. Devant nous. Before us, tu vas réitérer ces paroles. You will tell those words again. Et le ciel and the heaven va certifier. Will accept it. Et cela soit gravé à jamais that will be written dans les anneaux du ciel. In heaven book. Tu as la parole. Trésor. My treasure. Trésor. Acclamez pour Jésus. Trésor. Jesus. Je promets, I promise, de t'aimer, to love you, et je promets and aussi, I promise also, de prendre soin de toi, to take care of you, comme je prends soin de mon propre corps, as I take care of my own flesh. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, let our Lord Jesus, m'aide, help me, amen, amen. 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 Ah, trésor. Trésor. C'est pas moi qui le dis. Oh. It's not me. C'est un nom privé. C'est un nom privé. Non, toi, private name. Trésor. Faut dire son trésor. Faut pas dire. Ah. C'est comme tu t'appropries son, le trésor. Son, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est privé. It is a private name. Son trésor. Voilà là, ce qu'il a dit. This is what he said. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? What will you respond? Tu as la parole. You have the floor. My best. My best. Le meilleur. Acclamez. Clap the Lord. Hein? Ah. Que des anglophones. I promise. De t'aimer. To love you. De te rester fidèle. To be faithful to you. Et d'être soumise à toi. And to be submit to you. Jusqu'à la fin de ma vie. Till the end of my life. Avec la grâce de Jésus. With the grace of Jesus. Amen. 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 Acclamez pour Jésus. Clap Jesus. Ok. Amen. Nous allons prier. Let's pray. C'est la même chose aussi, elle dit aussi. Donc vous avez entendu. Donc allez penser à ça, repenser à ça et puis voilà. Envoyez quelque chose pour que le Seigneur you will une action send de grâce. Au Seigneur. Amen. Donc désormais, tous so ceux qui vont passer par ce processus, vous avez compris qu'il faut que vous fassiez une action de grâce pour que le Seigneur vraiment agisse. Ça nous a échappé, mais le Seigneur le rappelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus, Esdras, dans ta parole, Ezra in your word, fut un grand réformateur, was a great reformateur, un homme de réveil, a man of revival, avec Néhémie, with Néhémie, pour la reconstruction to the building again, de Jérusalem et de la Jerusalem muraille. And the wall. Ce matin, Seigneur, this morning, Lord, Esdras, Esdras, que voici s'unit is united à son épouse, with her spouse, et ton serviteur et moi, and your servant and me, Seigneur, te consacrons ce mariage. Consecrate this marriage to you. Je prie, I pray, que tout esprit de mort, that any spirit of death, s'éloigne d'eux, be far from them. Je prie, I pray. Que toute mort prématurée, any dead, préparée depuis les familles respectives, prepare since their families, c'est loin d'eux. Be far from them. 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 C'est loin d'eux.
s'éloigne d'eux, s'éloigne d'eux, s'éloigne d'eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus, je prie I pray que ton esprit soit à l'œuvre. That your spirit work. Parce que ce couple est beaucoup attaqué. This couple is attacked. Mais par ta puissance, but by your power, par ta gloire, by your glory, 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 tu les gardes, you keep them, dans le creux de tes mains, in your hands, dans le creux de tes in mains, your hands, à compter d'aujourd'hui, from now, là où les cieux reçoivent et enregistrent ce mariage, when heaven receive and que tu consacres, Seigneur mon Dieu. That you are consecrating, je prie que tu mandates des I pray anges that you send your de façon spéciale, especially pour les garder jour et nuit. To keep them night and day. Seigneur, je te consacre. Lord, I consecrate je you. Je prie. I pray. Saint Esprit, Holy Spirit, que tu les unisses. That unite them. Que tu les unisses. Unite them. Que tu les unisses. Unite them. Que tu les unisses. Unite que them. Tu les unisses. Unite que them. Tu les unisses. Unite them. Conformément à ta parole. As your words. Conformément à ta parole. As your word. Que toutes les promesses let all de bénédiction liées au mariage, to marry, selon que tu as dit à Adam et Ève, as you told to Adam and que Eve, Seigneur mon Dieu, that my il Lord, domine they sur tous les animaux de la terre. All animals on the earth. Tu déclares ainsi, Seigneur, qu'il domine sur tout you esprit that they qui se lève contre eux. In all je prie that que Seigneur tes enfants, I pray that la your main children, dans la main, hand en étant hand, un, be en one, étant un, be one, qui triomphe, Seigneur mon Dieu, triomphe, de Lord, toute œuvre de la sorcellerie familiale. Which works, qui triomphe de toute œuvre de la sorcellerie familiale. From all qui triomphe de toute œuvre de la sorcellerie familiale. From que all tout esprit qui s'attaquerait à leur vie, all that Seigneur mon Dieu, mon roi, life, mord la poussière. Au nom de Jésus-Christ, tu les transformes à ton image. Tu les transformes à ton image. Tu les transformes à ton image. Désormais, Seigneur mon Dieu, leur esprit est un, leur âme est un, leur chair est un. Et désormais, Seigneur mon Dieu, ils marchent dans la victoire. Seigneur mon Dieu, bénis-les. Bénis-les de la bénédiction des cieux. Bless them from your blessing. Bénis-les de la bénédiction des cieux. Bless them from bénis-les de la bénédiction des cieux. Saint-Esprit, Holy maintenant, Spirit, Saint-Esprit, Holy Spirit, remplis-les de ta gloire. Fill them with your glory. Remplis-les de ta fill gloire. Them with your glory. Remplis-les de ta fill gloire. Them with your glory. Remplis-les de ta gloire. Fill them with your glory. Car tu les appelles à te servir. Because you call them to serve you. Tu les appelles à te servir. You call them to serve you. Tu les appelles à te servir. You call them to serve you. Et ne pourront pas échapper. And they cannot le temps throw est là. Away. The time is present. Le temps est là. The time is present. Ils te serviront. They will serve you. Ton serviteur your servant ne pourra pas se dérober. Cannot jamais, run papa. Away. Never. Le sceau est déjà sur lui. The seal is upon le him. Le sceau est déjà sur the lui. The seal is upon him. Le sceau est déjà the sur lui. The seal is upon him. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ta servante. For your servant. Le sceau est déjà sur the elle. The seal is upon her. Le sceau est déjà sur the elle. The seal is upon her. Ils te serviront. They will serve ils you. Ils parleront de toi. They will talk about ils you. Ils parleront de toi. They will talk about ils parleront you. De toi. They will talk ils about parleront you. De toi. They will talk ils parleront de toi. 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 Ils parleront de toi aux nations. In the nation. Ils parleront de toi aux nations. Talk about you to the nations. Tu les établis. You establish them. Tu les établis. You establish them. Là où tu voudras les envoyer. When you want to send them. Tu les enverras. You will send them. Pour porter la sainte doctrine. To Seigneur, merci. Thank you, Lord. Merci, Papa. Thank you, Father. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Équipe-les encore davantage. Équipe them again. Équipe-les encore équipe davantage. Them again. Équipe-les encore équipe davantage. Them more. Équipe-les encore davantage. Équipe them more. Équipe-les encore davantage, équipe Seigneur. Them more, Lord. Le temps est là. The time is there. Car ce couple fait partie. Because this couple de is ceux que tu vas envoyer dans le those monde. Who will send to the world. Ce couple fait partie. This couple is among. Ce couple fait partie. This couple is among them. Merci parce que. Thank you because. Tu mets l'épée dans la main you de chacun. You put the sword into their hands. Ils triomphent. They are triomph. Ils triomphent. They triomph. Ils triomphent. They triomph. Ils triomphent. They triomph. Ils triomphent. They triomph. Ils triomphent.
tout Goliath au devant d'eux. Any Goliath before them. S'écroule. S'écroule. He's falling down. S'écroule. He's falling. S'écroule. He's falling. S'écroule. Et il viendra confesser. Il viendra confesser. Cette confrérie viendra confesser. That work will come to selon la grâce que tu me fais voir. As the grace you let me see. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Ils sont à toi. They belong to you. Bénis-les. Bless them. Couvre-les de ta gloire. Cover them with your glory. Couvre-les de ta gloire. Cover them with le your glory. Le manteau de gloire les couvre. Le manteau de gloire les couvre. Glory cover them. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Parce que tu les déclares unis. Because you declare Marie them unites. Et femme et les yeux agissent au nom puissant de Jésus in Christ. Jesus amen. Christ. Amen. Clap for Jesus. Alléluia. Praise God. Voilà, vous pouvez vous lever. Tel que vous avez vu, as you see, tous ceux qui sont encore en instance, all those who are waiting, vous devez aussi passer, you will also pass, pour que votre mariage for your marriage soit consacré. Quand on dit consacré, when we talk about consecrate, c'est-à-dire rendre ça sacré. This means that put it sacred au Seigneur. To the Lord. Et quand c'est sacré, and if it is sacred, quel que soit ce que l'ennemi fera, whatever the enemy will do, ça va tenir debout. It will keep stand. Alléluia. Amen. Ça va tenir debout. It will keep stand. Même vous qui êtes mariés dans les églises de la even voie large, you who are married in the large c'est churches, aussi bon de le it faire. Is also good to do it. C'est aussi bon. It is good to do it. C'est une manière de renouveler it is a manner to votre renew alliance your covenant. Et mettre à jour, faire une and mise à jour. Put in order, put in update. Devant le Seigneur. Before the Lord. Que toute la gloire soit rendue let à all the glory be to the Lord. Amen. Gloire à Amen. Jésus.